you. Bye. It is a good opportunity. En archéologie, on parle de ce que l'on a découvert, oui. Ce que je viens de faire. Oui. On ne parle pas de ce que l'on va découvrir, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Ça veut dire qu'une chapelle est rupestre. C'est-à-dire, rupestre, elle est dans le rocher. Différence voilà. Avec troglodyte ? Pas vraiment, parce que les troglodytes, c'est aussi dans le rocher, en principe. Hein. Okay, d'accord. Donc ça veut dire que c'est vraiment creusé, c'est aménagé dans la roche. Les temples d'Abou Simbel sont des temples rupestres. Hein. Donc là, le sanctuaire d'Hatshepsut, c'est un sanctuaire rupestre, parce qu'il est vraiment creusé, aménagé dans le rocher. Merci. Alors voilà, donc là nous sommes donc, nous avons passé du temps à Hatshepsut, hein. Là on va voir un nouveau règne, c'est le règne de Séti Ier. Donc là on n'est plus au 15e siècle, mais on est au 13e siècle avant notre ère, puisque le règne de Séti Ier commence aux alentours de 1290 avant notre ère, et va durer à peu près 11 ans. Donc c'est un règne assez court, qui fait que Séti Ier, donc le père de Ramsès II, n'aura pas l'occasion de terminer complètement son fameux temple de millions d'années. Alors c'est vrai que c'est un temple qui est beaucoup plus réduit, si vous voulez, au niveau de l'architecture par rapport au Ramesséum, hein, bien entendu, mais bon, c'est pas le même règne. Et puis alors on est encore dans une architecture, il faut le dire, une architecture de terre crue. Hein. Il faut savoir que à l'époque, au tout début de la 19e dynastie, comme tout au long de la 18e dynastie, excepté pour le cas d'Hatshepsut, vous avez vu un monument qui était construit en calcaire, mais il faut savoir que les temples de millions d'années étaient des constructions qui étaient faites en briques de terre crue. Hein? Alors, vous voyez, le temple d'Amenhotep II, Amosis IV, Horemheb, il y avait des parties en pierre, bien entendu, comme vous trouvez ici d'ailleurs, hein, les parties les plus sacrées du temple, c'est-à-dire très souvent le sanctuaire et les annexes du sanctuaire, étaient en pierre, mais tout le reste était en briques de terre crue. Le premier pylône ici, voyez-vous, du temple de Séti Ier, était un pylône en briques de terre crue. On a fait des revêtements, voyez-vous, bon, comme ça, de mounas sur les côtés, mais il faut bien vous dire que tout ça était un grand pylône en briques de terre crue, auxquels se rattachaient des murs d'enceinte, voyez-vous, qui ont fait donc tout le tour du temple et qui protégeaient finalement toute la structure intérieure. Alors, c'est un temple, voyez-vous, alors, bon, qui a été malheureusement envahi un petit peu par les constructions modernes, hein, parce que, voyez-vous, là, c'était l'entrée principale de ce temple, hein, donc elle est complètement bouchée aujourd'hui, et puis derrière, il y a tout un village qui est en place. Alors, il faut savoir aussi que, d'ailleurs, ce monument est intéressant dans l'histoire, celui de la constitution de Gourna, puisque c'était là que vivait la première population de Gourna, avant même qu'elle n'aille dans la montagne. Hein. Vous êtes en un lieu qui s'appelle Qasr el-Rabik. Qasr el-Rabik, c'était le nom qui était donné finalement par les Arabes à ce lieu où se retrouvaient finalement les premières populations
qui allait petit à petit s'épanouir et puis s'installer sur les flancs de la montagne Thébaine, en fait. Alors ce temple donc, comprenait un premier pylône, donc, qui est en grande partie, voyez-vous, quand même assez détruit. Il y avait, si vous voulez, une première cour avec un deuxième pylône qui se trouve là-bas, une deuxième cour qui donnait accès à un portique, voyez-vous, avec ses colonnes fasciculées qui sont au fond. Et alors ce temple était divisé en trois parties. Il y avait trois portes d'ailleurs. Voyez-vous, il y a trois portes dans l'axe. Vous avez la porte de gauche qui donne accès à un complexe solaire, un peu comme celui que vous avez vu d'ailleurs à Deir el-Bahari tout à l'heure, où nous avions visité la petite chapelle d'Anubis. Là, et bien ça, c'était le complexe solaire, d'ailleurs, qui est en principe toujours plutôt au nord. La partie centrale, qui était le sanctuaire principal du temple, consacré bien sûr à Amon et puis à Séti Ier. Et puis la partie qui est la plus, si vous voulez, au sud, la grande porte au sud, elle donnait accès à toute une série de pièces, si vous voulez, qui honoraient surtout la famille royale, à commencer par Ramsès Ier, c'est-à-dire le père de Séti Ier, parce qu'on ne connaît pas de temple de millions d'années pour le père de Séti Ier, mais il faut savoir que Ramsès Ier a régné très peu de temps, puisque vous savez qu'il a régné en gros à peu près 14 mois. Alors s'il a eu l'occasion de faire une tombe, c'est intéressant, parce que quand on regarde la tombe de la Vallée des Rois, elle est quand même creusée, elle n'est pas entièrement décorée, mais enfin en tout cas, elle était déjà creusée. Donc là, on peut se poser des questions de savoir, évidemment, si finalement cette tombe a été commencée avant que Ramsès Ier ne monte sur le trône, ou est-ce que c'est vraiment lui qui l'a mis en place. Et alors, dans ce cas-là, ça montrerait que le travail des artisans allait quand même assez rapidement. Ceci dit, voyez-vous, on était tout à l'heure au temple d'Hatshepsut de Deir el-Bahari. La construction du temple d'Hatshepsut a commencé en l'an 3 du règne d'Hatshepsut. Il faut savoir qu'en l'an 16, on travaillait à la troisième terrasse. Donc ça montre que les travaux pouvaient aller assez rapidement quand même. Quand je vous disais par exemple hier que pour le temple de Ramsès III à Medinet-Abou, la construction semble avoir pris seulement une douzaine d'années, si on se réfère finalement aux documents qui font allusion justement au travail qui était mené dans le temple. Alors un temple comme celui de Séti Ier à Gourna, il faut savoir que ça ne demandait pas très longtemps non plus, mais enfin je veux dire qu'il n'était pas terminé en tout cas quand Séti Ier est mort, puisqu'on sait que Ramsès II, lorsqu'il est monté sur le trône, a dû compléter la construction par toute une série de scènes et de reliefs que vous pourrez voir d'ailleurs, puisque son image apparaît dans l'iconographie du temple. Alors comme tout temple de millions d'années, il y a la partie cultuelle, donc principale bien entendu, et il y avait les dépendances du temple. Alors ici, comme au Ramesséum, comme au temple de Ramsès III à Médiatabou, il y avait un palais royal. Alors, le palais royal se trouvait ici, par exemple, voyez-vous, sur la partie sud. Alors il avait été restauré par les Allemands. Tous les monuments qui sont inscrits à Thèbes, rive droite, rive gauche, font partie depuis 1979 de la liste finalement de l'UNESCO sur pratiquement les biens culturels mondiaux. Tous les sites Thèbes ouest, Thèbes est, finalement, sont inscrits à l'UNESCO sur le site du patrimoine mondial. Alors c'est là où se trouvait, voyez-vous, le palais royal. Il y avait donc le palais royal qui était ici. Et puis il y avait toute une série de dépendances, bien sûr, en briques de terre crue, des magasins, des ateliers, le logement pour les prêtres, etc., que vous aviez sur toute la partie nord ici. Alors vous pourrez la visiter aussi si on a assez de temps. Mais enfin, malheureusement, vous savez, c'est une visite un peu courte parce qu'on doit être à la maison à 1h30 pour le déjeuner. Et donc, on va pas pouvoir rester très très longtemps dans ce lieu. Enfin, vous avez vu le plan, je vous l'ai expliqué. Donc, premier pylône, première cour. Alors, il semblerait qu'il y avait peut-être des sphinx qui étaient entre le premier et le deuxième pylône. Le palais royal, voyez-vous, qui est attaché à la première cour, comme au Ramesséum et comme dans le temple de Ramsès III, Medinet-Abou. Puis alors, après ça, vous avez une grande cour ici. Le portique au fond, avec, voilà, donc vous aviez ici l'hôtel solaire, la cour solaire. La partie centrale, petite salle hypostyle avec des petites chambres latérales, et puis l'annexe qui donnait accès, le naos et le pronaos qui donnait accès, si vous voulez, au sanctuaire du temple. Et puis sur ce côté-là, d'autres pièces, voyez-vous, qui étaient en relation avec les cultes de la famille royale, notamment de Ramsès Ier et de Séti Ier. Voilà.
Alors ici, vous aviez aussi, voyez-vous, tout un ensemble de bâtiments qui étaient des bâtiments économiques, donc qui sont les greniers, les magasins, voyez-vous, tout ça. Et alors de ce côté-ci, vous aviez un bassin. Alors, je dis bien un bassin parce qu'il ne s'agit pas d'un lac sacré. Sachez que les temples de millions d'années n'avaient pas de lac sacré. Ils avaient des bassins qui très souvent étaient en lien, si vous voulez, avec les jardins du temple et l'approvisionnement en eau du temple. Mais les lacs sacrés sont surtout réservés aux temples divins. Alors, vous les aviez à Karnak. À Medinet Abou, il existe bien un petit lac sacré, mais qui est en relation avec le petit temple, qui est un temple divin, mais qui n'a rien à voir avec le temple de Ramsès III. Et au Ramesséum, on sait très bien qu'il y avait aussi ce type de bassin, de jardin, qui était à proximité du temple, comme on les a retrouvés aussi même au temple de Meromta. Quand vous êtes au temple de Meromta, vous aviez aussi un bassin au temple de Meromta. Donc là, c'est plus des bassins, si vous voulez, plutôt que des lacs sacrés. Voilà. Ce sont surtout finalement des scènes de culte qui sont reproduites sur les parois, des scènes de culte où on voit surtout Séti Ier et puis Amon, puisqu'il faut savoir que dans le prolongement de cette salle hypostyle, il y avait le pronaos et le naos, c'est-à-dire le sanctuaire du temple. Donc, c'est là où se trouvait finalement le sanctuaire principal, qui était donc celui du temple de Séti Ier. Alors sur les parois, vous avez donc, comme je vous dis, alors c'est traité en vrai relief, là, donc un relief en saillie. C'est encore une époque où on aime bien le relief en saillie. Il faut savoir qu'il disparaîtra petit à petit des monuments, des temples surtout, avec l'arrivée de Ramsès II au pouvoir, parce que Ramsès II utilisera encore ce type de relief pour la partie la plus sacrée du Ramesséum, c'est-à-dire le sanctuaire, et puis après ça, pour les parties qui sont les salles hypostyles et les cours, le relief sera du relief dans le creux. Voilà. Donc vous avez donc, là voyez-vous, le roi qui est en présence de différentes divinités. Ce sont surtout d'ailleurs les divinités de la triade thébaine, c'est-à-dire c'est souvent le plus souvent Amon qui est représenté, Mou, Tronsou. Finalement, vous avez aussi des représentations de Hathor, bien sûr, de différentes divinités thébaines, mais c'est toujours finalement ces scènes-là qui sont reportées sur les parois. Vous avez une très belle scène d'allaitement aussi, ici, qui est reproduite, là, avec... voyez-vous le jeune roi qui tête le sein finalement de la déesse en fait. Donc c'est un relief de belle qualité. Hein, je veux dire, c'est quand même du bon relief. Oui. Pardon. C'est là que l'on mettait la statue d'Amon pour la belle fête de la vallée. Oui, bien sûr, elle passait là, puisque de toute façon, c'était un sanctuaire qui était réservé à Amon, ça, en principe. Oui, donc il venait à cette pièce. Bien sûr, oui. Quand il y avait la belle fête de la vallée, vous savez, la procession venait de Karnak, et quand elle arrivait au sein du temple, la barque, ou la statue en tout cas, pénétrait à l'intérieur du temple jusqu'au sanctuaire, et elle ressortait, et très souvent, on sortait avec les barques qui étaient mises dans les chapelles latérales,
et qui allait se joindre à la procession qui allait continuer son chemin vers d'autres temples. Donc, en principe, là, comment Amon pénétrait, bien sûr, dans le sanctuaire. Ça faisait partie de la visite. Hein. Puisque le but était de rendre hommage, de toute façon, à tous les souverains, qui étaient les souverains de la rive gauche, enfin, je compte à ceux qui avaient leur temple de millions d'années sur la rive gauche. Vous avez d'ailleurs la barque, elle est représentée là, même, en tant que la barque de la rive gauche. Et on voit très bien le roi accomplissant, justement, une fumigation devant la barque. Devant la barque du dieu. Il fait quoi, lui ? C'est une fumigation qu'il est en train de faire, voyez-vous. Donc, c'est une sorte de bras qu'il tient, avec une petite cassolette qui est au fond. Et puis, il va jeter des petits grains d'encens, si vous voulez. Et donc, là, c'est une fumigation qui fait devant la barque d'amour. Voilà. Donc, qui était posée sur un socle, voyez-vous. Vous avez le socle ici. Donc, il faut vous imaginer que cette barque se trouvait finalement là, avec l'image d'amour dans le Naos. Voilà. Donc cette barque, évidemment, était là, et puis elle sortait en fonction des processions qui étaient nécessaires sur la rive gauche de Thèbes. Et notamment au moment de la belle fête de la Vallée. Les béliers, là Oui, alors ça, c'est l'image d'Amon. Hein, c'est une image d'Amon. Amon se manifestait sous la forme d'un bélier. Vous pouvez se manifester sous différentes formes, d'ailleurs. Il était parfois représenté sous des traits tout à fait humains. Hein. Vous voyez, très souvent, c'est un dieu, d'ailleurs, qui est représenté comme ici, là-bas, avec deux plumes sur la tête, un mortier et deux plumes sur la tête. Alors ça, c'est une autre forme, un petit peu, d'Amon. C'est une forme, si vous voulez, d'un Amon générateur, en quelque sorte. C'est l'Amon mine. Alors c'est pour ça que très souvent, il est représenté avec un sexe en érection. Alors là, il a été martelé, c'est ça, sur l'image qui est là-bas, parce que là, ce sont souvent des martelages qui sont dus à l'époque chrétienne. Donc on a effacé toutes ces parties, justement, qui donnaient vie à l'image, en quelque sorte. Hein. Et puis derrière lui, voyez-vous, il y a le petit jardin du dieu, avec notamment des laitues. Hein. La laitue qui est une plante aphrodisiaque, surtout reconnue comme une plante aphrodisiaque. Donc elle est en relation, justement, avec le dieu Mine. Voilà. Voilà les plus égyptiennes en tout cas. Voilà. Et là, on voit cet Ypromée qui est en train de remettre, voyez-vous, à cette image d'amour générateur, eh bien, un bouquet monté, donc, qui lui tend. Voilà. Donc, c'est l'offrande d'un bouquet monté. Et lors des processions, le dieu était personnifié ou c'était une statue? Alors, c'est une statue, mais c'est là qu'il faut faire très attention, parce que quand on parle de statue, on parle d'idole, et ce n'est pas ça du tout. La statue était, en fin de compte, voyez, le support à l'énergie divine. Hein. C'est-à-dire, c'est elle qui, en fin de compte, recevait cette énergie divine et qui pouvait la retransmettre. Donc, c'était plus un support qu'autre chose, mais ce n'est pas la statue en elle-même qu'on adorait. Hein. C'était surtout ce qu'elle représentait en tant qu'énergie divine. Voilà. Par-delà la statue, il n'y avait pas des personnes qui étaient amenées à représenter le dieu lui-même. Quand je dis personnifié, avec des personnes en chair en os. Ben ça, c'est le roi qui pouvait, évidemment. C'est le roi qui pouvait, évidemment, dans ce cas-là, prendre une. Le rôle de Dieu, il représentait Dieu. C'est une sorte d'hypostase, si vous voulez, en fin de compte, du divin. Voilà. C'est une hypostase. Hein. Très souvent, d'ailleurs, même une fusion entre lui-même et le Dieu. Hein, puisqu'il est considéré comme étant fils de Dieu. Donc, c'est finalement une fusion entre lui et le Dieu, en fait. Hein. Voilà. Donc, voyez-vous, là, on est surtout dans la partie centrale. Alors, si vous voulez voir, c'est intéressant quand même, c'est l'accès à la partie sud, où vous avez les chapelles, justement, où on a un culte qui est rendu à Ramsès Ier, donc au père de Séti Ier, et au grand, qui est le grand-père de Ramsès II. Salam, docteur. Zayak. Docteur. Ça va, alhamdoulilah. Voilà, docteur Doblon. Ouais, ça va. Alhamdoulilah, docteur. Ouais, raccourci. Ça va les gars? Tranquille? Ça va? Si vous me permettez. Ils sont bien.
Voilà, donc là, on est dans un autre secteur du temple, voyez-vous, de Séti Ier. Donc là, c'était les chapelles qui étaient surtout réservées à Séti Ier et à Ramsès Ier. Donc c'était surtout, voyez-vous, la famille qui était honorée dans ce secteur-là. À côté, c'était Amon. Et Séti Ier. Là, c'est plus finalement le père, c'est-à-dire le grand-père de Ramsès II, donc qui était honoré. Et c'est ce qui explique, voyez-vous, que vous avez au fond, d'ailleurs, aussi ces deux sortes de stèles qui sont représentées là, où on voit, donc, en fin de compte, dont la deux, mais justement Ramsès Ier. Même fait tirer, voilà, Ramsès. Hein. Donc ça, c'est le roi, finalement, Ramsès II, c'est-à-dire le père de Séti Ier et le grand-père de Ramsès II, sous les traits osiriens, c'est-à-dire que là, on voit bien que là, c'est un temple. Ce côté-là, c'est le côté un petit peu, finalement, funéraire du monument, où on rend bien un hommage, finalement, à la famille royale. Hein. Voilà. Et les martelages sont de l'époque copte. Pardon ? Les martelages des... Oh, ce sont surtout des martelages de l'époque copte, hein, finalement. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Parce qu'il n'y a pas de raison de marteler cette île, lui, il n'était pas... Non, ça, ce sont des martelages de l'époque copte, hein, vous savez. Il faut savoir que beaucoup de ces monuments ont été réutilisés aussi en église, très souvent, à l'époque chrétienne. Et à partir de là, il fallait quand même effacer l'iconographie qu'on considérait comme étant païenne, en quelque sorte. Hein. Voilà. Là, vous avez aussi toute une série de très très jolies scènes, hein, qui sont représentées. Vous voyez d'ailleurs, Ramsès II aussi est parfois représenté dans le contexte des scènes avec Amon, Mout, Ramsou, donc la triade de Karnak, et puis leur suivi justement aussi du roi ancêtre qui est représenté là. Donc vous avez tout un ensemble de jolies scènes. Quand elles n'ont pas été martelées, il s'agit quand même de bons reliefs. Et là, on a traité, voyez-vous, c'est assez intéressant parce que là, on est plus dans du relief dans le creux par rapport au sanctuaire principal qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est un relief dans le creux. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez me dire deux mots sur la course de la régénération ? La fête cède, alors ? Oui, la fête cède. Alors, il faut savoir, bien sûr, la fête cède, vous savez, c'était une fête qui était célébrée, en principe, au bout de 30 ans de règne. Hein, c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans de règne, on considérait que Pharaon avait un petit peu baissé les bras, donc il fallait essayer de le revigorer pour pouvoir repartir vers un nouveau cycle. Donc c'est au bout, généralement, de 30 ans qu'on allait célébrer cette grande fête cède, alors qui imposait, bien sûr, au roi un certain nombre d'efforts physiques. Vous savez, vous avez les très belles représentations, finalement, qui sont celles de Djéser à Saqqara, hein, qui, alors évidemment, bon, là, sont plutôt des fêtes cèdes, si vous voulez, qui sont un petit peu intemporelles, puisque le roi est mort, mais c'était surtout pour concrétiser un petit peu ce que pouvait être le rituel de la fête cède. Alors, en sachant que, évidemment, l'idéal, c'était de régner d'abord déjà 30 ans et de pouvoir espérer refaire un nouveau cycle qui allait permettre peut-être d'accomplir encore autant d'années. Ce qui est quand même assez rare dans l'Égypte ancienne, parce que très souvent, les souverains, d'ailleurs, certains règnes, n'atteignaient pas la fête cède. Le cas, finalement, de Ramsès Ier, qui règne que 14 mois, bon, il n'a pas célébré de fête cède. Séti Ier, donc le père de Ramsès II, comment finalement va régner 11 ans, il n'aura pas vraiment célébré de fête cède. Il faudra attendre Ramsès II qui, lui, va en célébrer de nombreuses. Hein, parce qu'on pense que Ramsès II a dû célébrer 14 fêtes cèdes. Ça veut dire qu'il ne les a pas célébrées tous les 30 ans. Non. On célèbre la première au bout de 30 ans, puis après ça, on les échelonne beaucoup plus régulièrement. Donc tous les 3-4 ans, on se fait une fête cède, en fin de compte, on se revigore pour un nouveau cycle. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive parfois jusqu'à 13 ou 14 fêtes cèdes. Et puis alors, il y avait d'autres fêtes, bien entendu, qui étaient comme les fêtes de la course, avec la course au vase. C'est celle-là, par exemple, que vous avez là. Et ça, c'est une cérémonie qui est tout à fait aussi intéressante, qui faisait partie aussi d'un cycle de régénération, bien entendu, puisque ça participe, si vous voulez, en fin de compte, à la vigueur du roi, montrer que le roi est encore en forme et qu'il peut véritablement assurer, disons, une nouvelle période de royauté, finalement, durant son règne. Voilà, donc vous avez toutes ces cérémonies-là. Alors, en sachant que, bon, bah, effectivement, vous avez des personnages comme Hatshepsut, par exemple, qui n'ont régné que 22 ans, bah, elle s'est quand même aussi mise des fêtes cèdes, quand même. Elle en a profité pendant ces 22 ans pour se mettre quand même quelques fêtes cèdes. Alors, voyez-vous, parfois, l'idéal, c'était de faire 30 ans de règne, en sachant que, parfois, des souverains faisaient leurs fêtes cèdes avant la 30e année. Hein.
pour marquer quand même qu'ils avaient bien... Ah oui, ça, ça arrivait parfois. Hein, voilà. Alors là, vous avez encore une représentation, voyez-vous, comme à l'opposé ici, et bien de Ramsès Ier qui est représenté dans ce dé. De, finalement, c'est le dé de Fetsed, ça aussi, parce que vous savez que le roi était représenté avec la couronne blanche, avec la couronne rouge, et qu'il devait exécuter ces fameux rites à la fois pour l'Égypte du Sud et l'Égypte du Nord. Alors ce sont souvent des rites, effectivement, qui sont des rites, disons, pour montrer une force physique, bien entendu, mais ça reste quand même, si vous voulez, tout à fait, disons, rituel. Hein. On ne va pas demander au roi de s'épuiser à faire des courses, etc. On reste quand même dans des, si vous voulez, dans des rituels que l'on met en place et qu'il doit accomplir pour montrer que finalement, il est capable de pouvoir entreprendre un nouveau cycle, en fait. Hein. Et c'est ça qui est très important. Parce que, vous savez, la fête 7, comme la royauté égyptienne, vous savez, les Égyptiens, il faut le reconnaître, ils avaient une hantise. Ils avaient vraiment une hantise que le monde retourne à l'incréé. Alors, pour éviter cela, il fallait absolument assurer au royaume une véritable stabilité. Il fallait que l'ordre, Maat, soit vraiment maintenu. Tant que Maat était maintenu, il n'y avait pas de problème. Tout fonctionnait, la dynamique s'enchaînait, il n'y avait pas de souci. Mais il y avait une hantise, c'est-à-dire, bon sang, il ne faut pas qu'on aille le moindre problème parce que ça peut sombrer et dans ce cas-là, on retourne vers le chaos initial. Donc, c'est-à-dire vers une fin du monde. Hein, c'est ça. Parce qu'ils avaient imaginé tout ça. Vous savez, ils avaient bien pensé à tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient bien vu le commencement du monde, hein, la création du monde. Ils l'avaient parfaitement conçu, prévu. Enfin, prévu. Peut-être pas prévu, mais en attendant, ils en avaient donné une conception tout à fait intéressante parce que pour eux, la conception, enfin la création du monde partait aussi de l'unité. Vous savez, quand on parle par exemple de polythéisme dans l'Égypte ancienne, il faut faire très attention très souvent aux mots que l'on utilise. Parce que les Égyptiens, sans parler de polythéisme et de monothéisme, parce que là on est dans des terminologies, voyez-vous, qui se rattachent finalement à un univers ou en tout cas à un langage judéo-chrétien. Il faut dépasser tout cela et revenir quand même à des sources beaucoup plus anciennes. Quand on parle de création du monde dans l'Égypte ancienne, on parle de l'unité, d'une unité primordiale. C'est-à-dire que pour eux, le monde était venu à l'existence la première fois à partir du 1. Oui. Donc ils avaient pensé à ça. Le monde vient à partir du 1. Mais pour que ce 1 puisse continuer d'exister et se maintenir et se développer, il va falloir lui donner des articulations complémentaires. Alors, on a le Netcher, au départ, qu'on appelle le Dieu, hein, et puis on a les Netcherou, qu'on a tendance à traduire par les dieux, mais qui sont plutôt, finalement, les facettes du divin, ou les articulations du divin, dont on va avoir besoin pour que ce monde continue d'exister. Alors, tant que cet équilibre est là, en place, il n'y a pas de problème. Mais il y a des risques d'écroulement. Et il y a des risques. Les risques viennent d'où ? Ben, elles viennent des invasions, que l'Égypte peut être menacée, d'une famine, par exemple, qui peut sévir le pays, d'un cataclysme naturel qui pourrait se déclencher. Donc tout ça, ce sont autant, finalement, voyez-vous, de choses qui perturbent énormément les Égyptiens et qui font qu'il y a toujours, donc, dans leur tête, ce risque de revenir au néant, donc au chaos initial. Donc c'est ça, il faut pour eux, l'essentiel, c'est de maintenir cet ordre, il est absolument essentiel. Alors dans le cadre de la fête 7, ben, la fête 7 est d'un de ces rituels, justement, qui va permettre à ce que le roi continue d'exercer son pouvoir, et tant que le roi continue d'exercer son pouvoir, on est tranquille, c'est-à-dire qu'il y a la stabilité, il n'y a pas de risque d'invasion, parce que dans ce cas-là, le roi est assez fort avec ses armées pour pouvoir combattre les ennemis, donc tout ceci, voyez-vous, s'organise de cette façon-là. C'est quoi les plaies de l'Égypte ? On parle des plaies d'Égypte. Oui, mais enfin ça, les plaies d'Égypte, on en parle surtout à travers la Bible, vous comprenez, à travers ces choses-là. Donc là, il faut faire attention parce que, évidemment, il y avait les sauterelles, par exemple, il y avait les pluies torrentielles, il y avait un tas de choses, voyez-vous, qui pouvaient être considérées comme des plaies, en fin de compte. Hein. Voilà. Oui. Mais bon, là, il faut faire attention quand on parle aussi du récit biblique, parce qu'il n'est pas toujours en accord. Vous savez, il y a une grande partie mythique. C'est pas un livre historique, c'est un livre surtout où il y a beaucoup de mythique. Voilà.
Ah oui, oui. On en voit un peu à travers les films, quand même, c'est ça le problème. Quoi. Oui, mais voyez-vous, il faut faire attention, parce que les films retracent parfois des choses épouvantables, justement à travers des récits bibliques. Quand on vous dit que c'est les esclaves qui ont construit les pyramides, on est un peu étonné de voir ça, vous voyez. Bon, ça vient un petit peu, vous voyez, de tout ce qui est écrit parfois à travers des récits qui sont des récits dont on doit quand même avoir, il y a quand même un doute que l'on doit avoir sur ces récits et sur leur authenticité, disons. Ça ne veut pas dire que tout est faux, mais il faut faire attention à ce qu'ils contiennent et comment on doit l'interpréter. C'est l'imaginaire contemporain. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai. Oui, c'est ce qu'on a, quoi. Oui, mais en tout cas, ça c'est les films, mais il y a les écrits. Alors l'avantage, voyez-vous, qu'on a dans une civilisation comme celle de l'Égypte ancienne, c'est qu'on est dans une civilisation non seulement matérielle, mais une civilisation de l'écrit. Alors ça, évidemment, ça nous apporte une quantité d'informations. Enfin, depuis que Champollion a tout déchiffré, il faut savoir qu'on a, à travers tous ces textes, une quantité d'informations. Alors maintenant, il faut évidemment faire la part des choses aussi. On parle du récit biblique qui peut apporter des choses mythiques et des choses, disons, plus ou moins historiques. Il faut savoir que dans les textes égyptiens que nous avons là sous les yeux, ou à travers finalement tous ceux que nous a livrés l'Égypte ancienne, ce sont des textes qui ont été écrits par, disons, une classe sociale dirigeante, celle qui savait lire et qui savait écrire. Donc les textes que nous avons en face de nous, quand on nous livre les textes d'une bataille, quand on nous livre des textes qui sont en rapport avec la législation, etc., ce sont quand même les textes, si vous voulez, qui sont à la fois... parfois d'ailleurs, il faut le dire, partiels, parce qu'on ne les a pas dans leur intégralité, mais qui sont aussi partiaux, parce qu'on sait qu'on n'a pas là, si vous voulez, les textes de tout ce que les Égyptiens de cette antiquité auraient pu nous livrer. Donc il faut faire là aussi très attention quand on exploite la documentation égyptienne, en sachant que quand on a un récit de bataille, quand la bataille de Kadesh par Ramsès II, on nous livre un texte magnifique, finalement, qui est un texte, finalement, de propagande royale. On veut se montrer qu'on a été le héros des héros. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été un héros dans cette guerre, d'ailleurs. Attention. Attention. Parce que quand on regarde bien, il était quand même assez seul. Ses troupes n'étaient pas arrivées. Il a fallu quand même qu'il les combatte, les Hittites. Il n'était pas... Il n'y avait pas grand monde autour de lui, au niveau des forces égyptiennes. Donc, je veux dire qu'il y a une part de vérité dans son récit, mais il y a aussi une part de légende, parce qu'on veut glorifier le personnage, le roi qui a finalement sauvé l'Égypte en combattant l'épouvantable ennemi, quoi. Voilà. Hein. Donc, il faut faire attention à la lecture de ces textes. Il faut essayer de les recaler un petit peu et essayer de voir quelle est... s'il n'y a pas parfois un petit peu d'excès. Mais bon, ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs. Ce n'est pas toujours facile. Mais on a aussi des textes qui sont, comme des textes qui sont ceux des procès, qui sont ceux... Ben, je vous parlais du papyrus judiciaire de Turin l'autre jour. Bon, ben là, c'est un texte qui nous donne ce qui a été dit, hein, ce qui a été fait. Puis voilà, Donc là, on apprend des choses quand même. Ben, on apprend qu'il y avait des procès qui pouvaient se dérouler, que finalement il y avait des conjurés qui pouvaient subir tel châtiment, etc. Le type de châtiment qu'on pouvait appliquer dans l'Égypte ancienne, c'est pas toujours évident de le savoir tout ça. Donc voyez-vous, au fur et à mesure de la lecture de cette documentation, on apprend des choses qui nous permettent de beaucoup mieux connaître cette civilisation. Mais il faut faire attention justement au dérapage de certains films qui sont issus justement d'un seul, voyez-vous, d'une seule source, qui sont justement très souvent la Bible ou commande, où là, on vous donne un récit qui n'est pas toujours en rapport avec une véritable, vraiment une réalité. Et là, il faut faire très attention. Parce que vous savez, si on commence à parler de l'esclavage dans l'Égypte ancienne, là, on va discuter pendant des heures, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire sur l'esclavage. Mais la façon dont il est présenté à travers la Bible, et notamment à travers ces films qui nous montrent que ce sont des esclaves qui ont été là, non, ça je regrette, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Donc il faut faire attention à ce que disent certains textes parfois.
Oui, il faut parfois dire certaines choses quand même, parce qu'il faut recaler un peu les choses. C'est pas toujours évident. Hein, de... Bah oui, il faut y aller parce qu'il est 1h10. Hein. On nous attend à la maison, là, 1h30. Là. Le temps d'aller jusqu'à Malgata. On n'a pas la finesse des de décors d'Abydos ici. On n'a pas la finesse de, ah, de oui. Oui, mais là, c'est une question aussi d'artistes hein, qui étaient en place ici, ceux qui étaient en place à Midos. Donc, ce sont souvent des écoles d'artistes qui étaient un peu différentes. Il faut dire aussi que le temple de Séti Ier à Abydos, il est quand même assez bien conservé par rapport à celui-là. Hein, quand même, hein. Et là, on est dans du grès. À Abydos, vous êtes en train de partir du calcaire. Hein. Vous savez, le bas-relief dans le calcaire est beaucoup plus facile à faire. Hein. Ah oui. Bon, c'est beaucoup plus cher. Vous avez vu à Tchepsou, par exemple, tout à l'heure. Les reliefs sont très beaux, sont très fins. On travaille beaucoup plus facilement dans du calcaire que dans du grès. Là, le temple est en grès. Vous savez, le grès, c'est une pierre sableuse. Alors, le rendu n'est pas le même. Hein. C'est bien, il nous fait de la poussière. Théodore. Il nous fait de la poussière. Théodore qui nous fait de la poussière, là, hein. Merci, hein. Les restaurations sont très, très, très mal faites. C'est vraiment un travail de très... Ah non, mais écoutez, vous pourrez aller voir, vous verrez, c'est pas digne d'une mission archéologique d'avoir travaillé comme ça. On pense que Ramsès II a dû célébrer 14 fêtes 16. Ça veut dire qu'il ne les a pas célébrés tous les 30 ans. Non, non, non. Parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire sur l'esclavage. Mais la façon dont il est présenté à travers la Bible, et notamment à travers ces films qui nous montrent que ce sont des esclaves qu'on est là, non. Ça va les gars ? Tranquille ? Ça va ? Si vous me permettez. Écoutez, je regrette, mais il va falloir qu'on y aille parce qu'on n'est pas en avance et on nous attend à la maison.